Ok, on est bon, on va pouvoir commencer. oh, marble on stream, première. il fait que tout se passe bien. On a dû faire un truc. On est bon. Alors. Alors si j'ai bien compris, on choisit un truc... Euh voilà. Viewer. On s'en fout de savoir. Euh... non, c'est pas le choix des viewers, c'est random. Je vais pas en mettre beaucoup. Pas plus de 100. Déjà, c'est pas bon. <laughs> euh, Playerlist. Surprise play. Ouais, j'ai des... Ouais, j'ai du monde. Comment on se casse de là? On ne peut faire le. Oui. On recommence. On d'air. D'accord, c'est pour ça. Les viewers, simulation viewer, on est bon. Yo, je là, ça devrait être bon. Là, il n'y a personne. On est bon. Ok, ok, tout le monde. Et donc, là, si on fait ça sur le chat, ça ne marche pas. <laughs> Ah c'est parce que c'est des. Bah non euh, normalement. Euh... Fatal error système. <laughs> ah j'ai dit. Ah <laughs> oh, putain ça commence déjà. Je tout... suis tout bugué. Ça commence. Bon. alors qu'est ce que j'ai fait euh, on aurait un petit problème avec euh... ah, là, 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 là. ok alors j'ai compris c'est ça qui va pas quand j'ai signé on est bon on est bon On est de retour. C'est un problème, mais il fallait signer. Je sais pas ce que j'ai signé, j'ai vendu mon âme au diable. Donc viewer, pas plus de 100 personnes. De toute façon, on va être que 2 ou 3 maximum. Je pense pas qu'il y ait des gens qui... Donc là, si je fais ça... Je suis rentré. Maintenant, je sais que Doc il est là, il faut qu'il fasse pareil. Ah, j'ai un pixel by pixel bot en fait. Pour ça. Ah, ouais, par contre, il faut que. Il faut que je mette tout le monde. Hein. <laughs> je peux me kicker Ça, c'est bon Type Surprise Play, un number use. Ça, on s'en fout. Hunter euh, ça c'est bon. Ah non, c'est en. Un... Ouais, c'est... je crois que c'est un... parce qu'il faut que je mette en un... Enotomly, mais ça c'est. C'est si euh... il manque du monde. Donc j'ai deux modos. Donc ça, ça marche. Pour l'instant, on est bon. Maintenant, c'est le problème, c'est que comme j'ai pas d'amis et que j'ai personne. Eh ben, on est que deux <laughs> ça pas pour un essai pour l'instant. Ah oui après je peux décider si les subscribers ont une, une bille spéciale ou pas. On peut voir les noms Alors, pour l'instant je peux pas bouger. Bon, on va faire un test uniquement avec Doc. Et après, on verra. Je pense pas que Big Ben il va venir finalement. Araka il fait dodo. Dimitri il bosse le lendemain. Mais bon, pour un essai. En tout cas, ça marche. Bon, une course contre Doc. Je sais même pas si. Comment on les Ah c'est cette touche là C'est pas beau ça On va modifier les touches après Faudrait que j'affiche les noms Ok le... Ah oh. Je vais y aller Euh... QWERTY Apparemment c'est moi qui gagne ça se voit pas, mais c'est moi qui gagne. Alors que Doc est en train de me rattraper petit à petit. c'est Doc qui passe devant. On croirait pas, mais c'est Doc normalement. Ah, Doc s'est fait toucher apparemment. Ah non, Doc s'est pas fait toucher, c'est bien Doc qui est devant là. Il est remonté. Il est reparti là-haut. Quoi Il manque l'arrivée là. On a refait un tour de piste Alors Doc y'a en tête de la course contre moi qui traîne T'es un paresseux Et ça roule à pleu pleu à l'heure Putain je sais même pas si c'est... Ah d'accord elles font un certain nombre de tours D'accord Oh ah, bah la vache Donc du coup c'est Doc qui dom... Bah non c'est moi Parce que Doc il est là, il est plus proche de l'arrivée en fait Donc du coup c'est moi qui... qui gagne et c'est Doc qui se fait baiser Je vais vérifier les touches après Attends c'est juste un essai Là on est à zéro, je sais pas pourquoi il y a zéro. Alors qu'on a un Ori qui arrive. Qu on se croirait au Tour de France mais avec des billes. C'est Doc c'est toi. Et là la bille. La bille de Doc. Ah, ça y est, ça a bougé. Doc toujours en tête pour l'instant. Je vais pas tarder à repasser devant. Moi que je suis tombé comme une merde. Ça, c'est la bille de Doc, ça, c'est pas la mienne. Excusez-moi. C'est ma bille, ça Et l'autre bille, elle est où Ça a l'air d'être ma bille, ça. La bille qui arrive en premier. La bille de Doc, elle est où Bon, je suis arrivé moi. Ah la bille de doc. Putain, elle est... À deux c'est sûr qu'il y a du retard. Hein. C'était une domination sans le vouloir Dory. Même si c'était tellement pas palpitant. Voir les finis. Ça ne compte pas. Bon, euh, input. Euh, alors monter descendre, monter descendre, euh, monter descendre, parce qu'on est bon. En avant, en arrière, gauche, droite, speed boost. Non, pas speed boost. View first place, view second place. Non, view... Euh... View ghost ball, non. Swap camera, non. View target, non. Il me manque un truc. Toggle Marble. Je oh, crois que c'est ça. Inverse move. Non, c'est bon. Ok. Ah, oh, je refais la course avec Doc. Non, il me faut d'autres personnes. Enfin, pour trouver d'autres personnes, ça va être compliqué. Il n'y a personne. <laughs> Déjà, je joue. Ouais, on voit. C'est bon. Bon, mon pseudo. En fait, j'aurais dû commencer à faire des courses où il y a du monde, en fait. Et on pas commencer tout seul dans mon coin avec mon live. Mais c'est vraiment pour tester, savoir ce qui se passe quand il euh, y aura du monde pour... Euh... Si je veux faire euh, des lives dessus. Je joue tout seul C'est pas c'est pas une idée de merde ce jeu-là. Ça permet énormément de trucs. Après voilà, Doc il s'est pris au jeu, donc du coup ça me fait en fait bizarrement de faire des surprises play comme ça, ça fait vivre le chat bizarrement. Donc du coup, à la fin tous mes tous les statistiques que j'ai dans mes lives euh, vont être complètement chamboulées. C'est pas plus mal. Bon, encore un test avec Doc pour l'instant. De toute façon, s'il y a quelqu'un qui va intervenir, il y a pas de problème, il peut venir sur le chat et il n'y a pas de problème. J'avais prévu la veille exprès. Hein. En plus c'est pas euh, ce sujet -là, je connais un peu c'est pas c'est euh, pas facile. Ok, ah, que je modifie les couleurs. Ok on voit nos pseudos il y a pas de problème c'est cool. Si J'appuie sur plus on les perd ouais oh, c'est bon nickel. Attention donc a décidé d'aller à droite alors que moi j'ai décidé d'aller à gauche c'est la retombée, la remonter on va passer le Krapchenko. Là on voit mieux quand y a les billes. Ah Doc est... qui prend, qui met la doudoune là Un habitué du flipper Alors que moi je suis complètement bloqué, voilà J'ai le vertige, je peux plus descendre Ça y est, je suis tombé Doc a décidé de prendre la voie du milieu et fonce tête baissée Alors que moi je vais prendre un canon, attention <laughs> Attention le, coin... le canon il arrive, le canon attention Pendant que Doc est en train de monter et... PAN bon Ouah Ouah Oh le tricheur d'Ori <laughs> Quel tricheur Alors que là ça se répète plutôt pas mal, ah peut-être que là-bas ça va se jouer à condition évidemment que les deux billes euh, s'en sortent, c'est moi qui descends en premier. Donc il essaie de rattraper son retard. faudrait pas qu'il soit bloqué par ça, tout va bien pour lui. Il commence à passer les spirales lui aussi. Ça joue, euh... ça joue pas très loin quand même. Et ça tourne, ça tourne, on se croirait dans un garage. Dernier, Dernier tour pour Ori. Pas la première personne, enfin la troisième personne singulier On passe les moulins. Moulin à haut. Alors attention, ça va peut-être se jouer là-dessus. Attention. Oh, ça projette ça en plus. Tout va bien. Doc il triche, il fait le tour. Ralentissement de rire. Attention, ça va jouer à la ligne d'arrivée. Doc il prend un raccourci. Et c'est Doc qui va gagner au dernier moment. Hop là. Super, on s'est un peu chier avec Debbie quand même. Bon, on va en faire un autre. Bon, dernier test, après je vais voir si. Si je m'incruse dans les gros trucs. Oula, <laughs> Là, je connais pas. Euh. Ouais, Alors, surprise. Finir par faire des copier coller Paf. Doc il est là. Ah, Darko Compagnie a décidé de s'incruster. Tant mieux, ça. Plus on est de fous, plus on rigole. Je vois les pseudos après. Ah mais non, si, si je fais plus sur le chat, ça va pas le faire, c'est là que je vois. Donc, on a moi, le big boss, un modo, un viewer. Ah, il peut pas y avoir de sub, moi j'ai pas encore l'affiliation. En bon, attendant qu'il y en a d'autres qui s'incrustent, donc ça marche beaucoup mieux. Bizarrement, je suis pour Dark Company. Hein. Ah, attention, je vais lancer à 3 pour l'instant. 3, 2, 1. Et ça zigzag, ça zigzag. Ok, il a été ralenti. Alors il est devant. Il vient dès la bande. Oh oui, est... la pile elle était très bien la mienne. On voit... Oh là là, il y a du feu là, c'est quoi c'est dire Attaque médiévale Premier truc, what the fuck On, On brûle dans les flammes de l'enfer alors que... Ouais, ça ose pas. Hein. Vas-y, vas-y ma vie, t'es courageux. Tu t'en fous des flammes de l'enfer. Vas-y. Attention à des éboulements, faut passer sur les côtés. Très intelligent non 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 pas là Tout va bien. Ça traîne un peu derrière, mais c'est bon, ça va arriver. Attention, il y a de plus en plus de caillasses. Normalement ça disparaît au bout d'un certain temps. Tout va bien. Alors c'est un gros... une grosse ligne droite là. Allez, ça fonce, 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 ça fonce. J'aimerais bien qu'il y ait d'autres obstacles pour que les autres puissent rattraper quand même, parce que sinon on se fait un peu chier. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Il n'y a pas trop de ralentissement. Hein. Les obstacles sont pas très... Sont plus pénalisants pour ceux qui sont derrière moi. Hein. Je vois qu'il y a énormément d'obstacles là-bas alors que de mon côté, tout va bien. Hein. Ah, ça y est, ça y est, ralentissement. nickel, Encore, 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 encore. Encore, du suspense. Oui. Oui. Je <laughs> te saute trop du cul à être pour moi-même. Ah, mais là, il y a trop d'obstacles, regardez ça. Oh, Dark Company. Non, qui gère, comme une pauvre merde. Non. Non, un Viewer est mort. Il a voulu tester si tout se passait bien, il est tombé. Ne l'oublions pas. Donc il joue la prudence. Ça. Et comment on peut tomber là-dessus Ah c'est le Rip, non Non. On entend encore sa voix à travers le chat, non euh, même ma caméra a peine de rattraper ma euh, euh, euh... Ah, ça y est, il y a eu un ralentissement. Allez, Doc a... Il <laughs> y a très peu d'espoir. <laughs> T'as as 0% de chance de gagner. Je <laughs> suis désolé. <laughs> Alors fais gaffe, Doc, parce qu'au bout d'un moment, je sais que la course ça va s'arrêter. D'ailleurs, on la voit là-bas. Regardez, le... le truc vert commence à arriver. Ah, ça arrive Vite, vite Vite Sinon, tu vas être Vite Regarde c'est la fin du monde, elle arrive! Pourquoi tu traînes? Putain, c'est. <laughs> Fonce! <laughs> Fonce, petite bille imprudente! Fonce! Fais quelque chose! Ça arrive! Ma mort, elle arrive! C'est bon, t'es arrivé! C'est des sauf. Arco-compagnie, oh, oh Dieu! Ah, oh, c'est dommage! Ah, c'est balou. Bon, une autre, celle-là, elle n'était pas... pas terrible pour. Il n'y avait pas trop d'RNG. Ah, celle-là, avait... oui, le début, va avoir pas mal d'RNG celui-là. Là que je me rends compte qu'il y a un sacré décalage entre mon live et le reste. Petite question aussi, je refais un slash play, est-ce qu'il y a deux fois mon pseudo Il y a deux oris Non, il n'y a pas deux oris. Il a pas deux moi bon, Un jeu qui promet prometteur hein, de, de faire la bonne entente avec ses viewers, ça peut être sympa. Évidemment, mon petit problème, c'est ma communauté qui n'est pas... Bon, déjà, je live un jeudi, c'est plutôt rare. Hein. D'habitude je live plutôt le lundi, le mercredi et le samedi mais là euh... Mais bon. Je pense que tôt ou tard, je m'amuserai pendant pendant un live euh... à faire euh, un stream détente euh, quand tu auras du monde. Limite peut-être après un tournoi au TK Live ou un tournoi Yu-Gi-Oh en tout cas, un mercredi à 23h, paf allez, tout le monde, sortez vos billes. Ok, En tout cas, tous ceux qui étaient là, la présente course, sont là. Attends 10 secondes. C'est un peu de temps quand il y a des nouveaux qui... qui passeraient faire un petit coucou. 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard. À la prochaine pour les autres. Je suis à droite, moi. Vous êtes regroupés, tous les deux. C'est pas bon. Euh, ça peine un peu, mais ça te descend. descend. On va encore dire que je triche, maintenant. Oh là là C'était beau, ça. Allez, Dark Company, il faut pas que tu tombes, cette fois. Finir hein. la course. Oh, on s'en fout de moi. Allez, Doc Tu traînes <laughs> on est en train de jouer là, tranquille. Et on descend. J'ai pas les touches pour savoir... Oh, on est parti loin là. Alors attention, la cible, ça peut être éliminatoire. Hein. Ça peut faire des dégâts. Allez, Mabi, montre la marche à suivre. Feu Apparemment ça a merdé hein, ça bouge plus. J'ai bugué Et Doc Piu And the winner is Ouais, je me la pète pas. Oh, une course assez rapide, on se faisait un... Il y avait juste la RNG au début, après bah, la course était pliée. Il n'y a pas un qui serait plutôt... Euh... On va retourner au menu. A pas un pain qui serait intéressant. On va essayer d'en faire un sympa quand même. Un random comme ça. Apparemment celui-là c'est le number one. On va tenter. Je me demande si on ne peut pas rajouter des... Des fausses billes. Déjà on va faire ça. Ok ça va bien là. Est-ce qu'on peut pas rajouter euh... Qualifié, non on fait pas le... entrer un non, non je fais ça, ah non ça marche pas. Je pensais que ça marcherait mais ça marche pas. On peut pas rajouter des big gêneurs. Donc, on s'en fout. Alors Dark compagnie qui nous re, qui rejoint la course, ça c'est bon. <laughs> Surprise, ad 28 marbles. On join, c'est bon. The funnel 2, 2 sur 100. Paf kick. Après, quand j'aurai d'XP, je pourrai rajouter plein de trucs. Ah, to enter the race, d'accord. doc qui est là. Bon, tous, ceux, euh, tous ceux qui sont là, sont là. En ce moment, dans 5 secondes, normalement, là, ça va être une belle course. Enfin, C'est dommage qu'on ait un peu 3, hein, pour l'instant. On attendra ce fameux jour où on sera 18 ou 20. Là, la course, ça serait intéressant à regarder. Pour l'instant, on n'est que 3. Bon, Doc, euh, je suis désolé, mais le, la RNG veut que tu sois à la traîne. <laughs> le jeu, il t'aime pas. Il t'aime pas du tout. Allez, 5, 4, 3, 2... 1 Hop Pardon Et c'est le top départ Le docteur est premier parce qu'il est derrière l'arrivée en fait Mais en fait il est pour l'instant dernier Attention on arrive à un premier Coin RNG Putain c'est quoi cette bille qui est plus lourde que les autres là La bille est truquée On va s'enfoncer. Qui va tomber en premier Ça fait de l'orbite. Des planètes qui tournent autour d'un trou noir. Qui va tomber dedans en premier Ça a l'air d'être Dark. Moi, Doc. Dark. Ah plutôt Dark, ouais. C'est plutôt Dark. Dark. Dark est parti. Bon, Celui-là, je connais bien. Il est assez connu. Hein. Non, attention Attention, il y a un piège là-bas. Il y a quelques pièges, on peut être gertés comme des pauvres merdes, faut faire attention ici. C'est bon, c'est Dark qui est premier. Et on va envoyer le petit looping, enfin le, le petit tour, un deuxième tour plus loin. Or, il ne triche pas cette fois, il prend pas un raccourci en passant à travers, tout va bien. Deuxième tour de piste. Petit lag, bon, ça arrivera souvent. On est toujours sur Dark. Attention, attention, il va y avoir accélération. Ça peut partir en cacahuète. Tout va bien. Les obstacles qui peuvent gerter, tout va bien. Deuxième bol. Ori deuxième. Doc troisième. Dark qui domine pour l'instant. Dark qui a passé le trou. Je passe le trou derrière, je suis juste derrière. Et Doc n'est pas encore tombé du bol. Troisième bol. Doc n'est pas encore arrivé. Et je passe le trou en premier. On va croire que je triche. Ouais, je suis en train d'entamer quoi là? Des... Ok, petit tour de piste avec accélération. Alors que les deux autres sont au niveau du bol. Accélération, attention. Tout va bien. Il ne reste plus grand chose avant la fin de la course. Alors que Dark Company dominait au moins la moitié de la course. Je suis passé loin, loin, loin devant. On sait pas pourquoi. Moi-même, je sais pas comment ça se fait que c'est encore ma qui est devant là. Je ne contrôle pas ce truc. Donc avec bille en mousse, c'est pas possible. <laughs> Doc est le mal-aimé du jeu. Hein. <laughs> pas pourquoi Je suis arrivé. Dark arrive deuxième scène et sauf. Il ah, faudrait faire gaffe le petit rebond et ça aurait pu partir mais tout va bien. Dog va finir la course, tout va bien oui. JJ. Ok. Je réinitialiserai les, les scores quand même. Je sais même pas si je peux réinitialiser les scores. Juste con en fait. Local boom. Ok, on remet ça. Allez, suivant. J'aimerais bien perdre un peu. Pour changer. Salut, Phoenix. Ah bah voilà, plus on est de fous. Voilà, ah, Doc, il est arrivé, je suis arrivé. Bon, Phoenix va nous rejoindre, du coup. J'ai trouvé un moyen de pouvoir occuper. Euh... Le live, il faut prévenir Asuna aussi. Je suis sûr qu'Asuna a kiffé. Oups, là. Voilà, Phoenix. Phoenix VIP, donc il est en rose. Comme ça, je vois toutes les couleurs possibles. Ah, moi on me voit pas, je suis caché derrière le truc. Asuna est couché. Avec euh, Araka. Bah tant pis, tu lui diras quand euh, Raka sera en train de streamer qu'ils ont raté euh... ils ont raté une opportunité de faire un bon truc. Voilà, Dark Company est là, j'attends encore un petit peu comme d'habitude. Hein. Oh là à 4 la Corse va commencer à être un peu intéressante. Donc il y a un truc là avec des rails au début. Oh, il y a un autre truc qui tourne en dessous. Attention, lancement dans 15 secondes. Lancement dans 5, 4, 3. 2, 1, et on dit merde. Dark Company qui est là. Voilà. Doc ici. Et Phoenix là. Alors, ça partira. Alors, on ne sait pas qui est premier pour de bon. Hein, parce que Phoenix est plus proche de l'arrivée qui est là-bas. Ça a l'air assez court comme course. Alors, attention. Doc, 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 Doc. Non. Non. Phoenix. Moi, non. Phoenix. Phoenix. Doc Moi, Dark. Mais Dark est passé devant. On voit rien, désolé. Il est vénère. Ah Je ne vois rien. Ah, je suis bloqué. Non Non, caméraman de merde J'ai fait de la merde On voit plus rien Je suis où Je suis là Ah, oh, on n'a rien raté, on arrive au canon Dark est premier, passé loin devant. Il est premier à chuter, moi deuxième. Là, on est en train de jouer au kéno. Oh là Attendez, les trois sont. Tout le monde est passé Sauf moi, tant mieux. <laughs> Pour changer. Ah oh mince, Dark aux compagnie, je suis en train de rattraper là, hop, on passe devant. Alors que Félix et Doc sont en train de faire les tours. Tranquillement. Tout va bien. Non, non, je suis pas vainqueur, tout va bien, je suis dernier. Oh là, ça joue au coup d'un coup entre moi et Dark, mais qu'est-ce qui se passe non, non, c'est bon. Phoenix et doc attention Phoenix, 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 doc, 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 doc. Doc, phoenix, qu'est-ce qu'il se passe Doc est retombé. Phoenix 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 passe devant Dark deuxième Moi <laughs> troisième et doc dernier <laughs> Phoenix il est arrivé, il a fait. Allez, je vais vous montrer comment on joue à Marble. Champion <laughs> Au moins, tout le monde arrive, c'est né sauf pour l'instant. Quand on sera encore plus nombreux, ça va vraiment partir en cacahuète. 1 minute 22 quand même. On va commencer à regarder. Ah, il y a du chat. Oui Mais parce qu'on peut avoir les chats après, derrière. C'est ça qui est rigolo. Allez, suivant. GG de Félix. Et on est reparti. Regardez le slash play qui vous montre que ça commence. Pardon. Voilà, au moins là je suis premier. Darko juste derrière. C'est assez bordélique. Hein. C'est mon coup d'envoi qui va... qui va tout bouleverser. Bon, ça on est un peu plus bas, on a Dark. Surprise, pali Oh, Phoenix, il est... il est très bien placé, là, dis donc. <laughs> Phoenix, il est... <laughs> ok, Phoenix est un favori du jeu. Je prends note. Je prends note. Euh, Doc ne... Ah, Doc juste à côté, ça va. Ça va. Il faut pas que je fasse de la merde, il faut que je lance quand Phoenix est rempli de trucs rouges et Doc non. Comme ça, on, Doc euh, va lui donner une chance. Partager un peu la victoire, merde. Darko, je crois qu'il a pas encore... Euh... Non, je crois pas. Phoenix, oui. Moi, oui. Doc, oui. Contre moi tout seul. Allez, c'est Darko. Allez, Darko. être dur, hein. Il y a Doc juste en tout de toi. Allez, lancement dans 10 secondes. 4, 3, 2, 1. Trop tard pour les retardataires. Et je dis merde à tout le monde. En tout cas, quand je dis merde, je gagne pas. Donc, tant mieux. J'essaierai de mieux faire. Allez, le top 1 pour Dark. Allez, les paris sont ouverts. Évidemment, il y a un compte à rebours de 10 secondes. Hein, je contrôle pas. Hein. Il y a de la RG. Oh là là, Doc. Oh là là, Dark. Non, qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment tu peux te bloquer sur un truc cylindrique Ça défie les lois de la physique Incroyable Ouah, wow, on est parti loin là bon, Moi je suis parti euh, prendre un raccourci. Hein. Un raccourci qui me fait perdre beaucoup de temps, je trouve. Alors que Phoenix il est loin, loin, loin devant là. Phoenix il nous apprend vraiment à jouer. Hein. Il n'y plus, plus de problème. Ça part très loin, ça part très loin. Phoenix qui tombe dans une zone RNG. Attention, ça peut se gerter ici. Fénix qui est bloqué ici. Doc qui rejoint Phénix. Oh Doc qui coiffe au poteau, Phénix Alors que moi et Dark, on a du mal encore. Hein. Alors, on a des tours de piste du côté de Phénix et Doc. Darko qui arrive. Et moi-même qui a pris un raccourci. Ah, oh, par contre, je zigzague un peu. Phoenix hein. qui refait des tours de piste. Doc qui passe devant Doc qui passe devant et moi j'arrive Allez, je coiffe tout le monde au poteau. J'ai pris un raccourci, je l'ai dit. Je <laughs> suis tracé de peu par euh, Phoenix, alors que Doc et Dark Company ont du mal avec ce le petit tourniquet. <laughs> ah, c'est le tourniquet. <rire> <rire> ah, putain, j'ai encore triché, fait chier. <laughs> j'ai dit, j'ai pris un raccourci. <laughs> alors, Dark Company qui commence à se faire ses petits tours, mais je pense que c'est réglé. Alors, rien encore joué, j'ai mal pris mon virage. Phoenix me rattrape. Eh bien, il a été ralenti, donc voilà. Oh là là Ah, j'ai cru qu'il y avait la fin du niveau qui arrivait. Donc tout va bien. Vous avez le temps. Vous avez le temps Doc qui arrive. Dark Company, on le voyait top 1, mais pas depuis la dernière place. C'est dommage. Vraiment dommage. Alors que commence alors que je suis en train de juste de de tester le truc que je suis en rivalité avec Phoenix alors que Talam, Talak Mac, euh, bonjour à toi, va potentiellement nous rejoindre. Allez next, c'est une drogue, hein, on n'arrive pas à s'en passer. J'ai juste censé faire juste quelques tests après fini, mais en fait, euh, c'est devenu une drogue le truc. Alors que je rajoute aussi quelques musiques. Allez, c'est parti. Celui-là, euh... Ça devrait aller. Alors on a Doc. Euh... J'ai pas vu les autres. Que c'est passé ou pas Normalement, les plays fonctionnent pour tout le monde. Oui, Talamac est passé. Doc est passé. J'oublie le cas de Dark Company passe. Il manque plus que Phoenix, il est encore là. Après, ça a quand même ses avantages d'avoir peu de viewers, c'est qu'on arrive à retenir. Parce qu'au bout d'un moment, j'attends encore un petit peu. Par contre, le début risque d'être dangereux. Hein. Je sais pas, je crois que c'est moi qui est là. Ça devrait aller, ça devrait pas me jeter, Mais ceux qui sont au milieu ici, euh, c'est pas bon. Allez, lancement dans. 10 secondes. Alors, 10 secondes. Tant pis pour Phoenix il veut plus lancer. Hein. 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard. On peut pas attendre pour l'éternité non plus. Ah c'est à qui, qui est là, avec la petite feuille. Et moi je suis pas là je suis pas là! Ah si, je suis là. Putain, j'étais caché là-haut. <laughs> fourberie jusqu'au bout. Hein. Même dans ce jeu-là, je suis la fourberie, ça me connaît. Ah, C'est Doc qui passe devant. C'est Lac-Mac qui va nous apprendre à jouer tranquillement. Dark Company qui passe derrière. Et moi qui enchaîne. Oh, le tremplin sur le Doc. Qui a esquivé le prochain obstacle d'ailleurs et qui passe maintenant le tunnel. Tunnel qui ralentit quand même. Hein. Oh Deux Doc qui tombe comme une pauvre merde Quel dommage Et <laughs> lui qui gagnait enfin <laughs> Et moi ça passe, il a pas de problème <laughs> Salut Ultra Les Bandar Compagnie, voilà Attention, Talak Mac, je hein. ne pas comme Doc, tout va bien. Alors que moi je suis parti loin devant, mais il y a plein d'obstacles qui permettent d'être jerté comme une pauvre merde. Tout va bien, tous les autres participants sont là, mais Doc est hors compétition. Il a voulu prendre un raccourci, il est tombé comme une pauvre merde. La totale qui nous fera Doc ce soir. La totale. Ouais, on enchaîne les tours et les tours. -on là, les deux autres, ils sont. Ils sont coincés. Ils sont tous coincés. Allez, 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 les obstacles, voilà, ça arrive. Allez, faut rattraper le retard. Ça va être compliqué, là. Ça va être très dur. Attention, il n'y a pas de. Tout va bien. Attention, je peux peut-être... Euh... Ouais, c'est bon. C'est bon, je suis ralenti. Vous pouvez me rattraper. Nickel. Allez, Darko. Allez, allez, je suis passé. Je suis passé, non. Attention, 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 il faut que je gère. Allez, boum. 3, 2, 1. Paf. Ouais. Ouais. Oh, je gère pas. Oh, le skill. Oh, ça c'est du skill. <laughs> je sais pas où est le skill pour de vrai, mais ça c'est le skill. Il se permet de faire des jumps tranquille. C'est ma bille, c'est ma bille d'enculé. Champion du monde, faut pas test. Oh, putain, vous êtes vraiment bloqués tous les deux. T'as avec Max, ça y est, bon, il est passé, attention. Allez, faut faire la même. Un peu de skill. Ouais, bim Oh, dommage. Allez, vas-y, bim Oh, dommage. C'est comme si je faisais du skate avec des tricks, là. Ah ouais, je le mérite, franchement, ce petit jump, là. On a cru et en fait non. Et Doc, à cause du tunnel, elle a vraiment pas de cul. Même sa bille. DNF. Allez, suivant. Le boom direct. Ah! Ça ah, y est, yeah. Doc est passé en mode sérieux par contre. Il avait fait Play Direct, boum Arco Compagnie. Player One. Ultra Dimensio qui nous rejoint. Ouah, wow, l'épée saison 16 et tout. La classe. La classe, monsieur, la classe. Ça fait venir du monde quand même. <laughs> ouais, je pense que je vais faire ça en soirée de temps en temps, surtout après un bon tournoi Yu-Gi-Oh. Sorte de se défouler et bien se détendre après. Le mercredi soir. Obligé. Au battoir. C'est une conspiration. C'est qui qui organise ça C'est moi <laughs> Ok, Félix a décidé d'arrêter du coup. Donc du coup tout le monde est là. Lancement dans 15 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. J'ai lancé un dixième trop tôt, mais c'est bon. Good luck have fun pour tout le monde. Tak Mac a l'air d'avoir l'avantage là-dessus. Et moi je suis juste à côté. C'est parti Ok, Ultra Dimensio qui a mal fait son départ Alors qu'on a le cube Ori, je sais pas pourquoi Ah parce qu'on a... Non j'ai pas fait cette course Bon je sais pas à quoi sert le cube, ah non le cube Attends, il y a deux cubes Ori Il y a deux Ori Qu'est-ce qui s'est passé Ah non c'est oui, on l'a déjà fait cette course, c'est moi qui ai gagné contre Doc C'est pour ça Ah bah j'ai suis... fait mieux là Et Ultra Dimensio, je passe devant C'est ma course, j'ai avantage, de l'ai déjà fait tout à l'heure Tout va bien contre, j'aimerais savoir comment ça fonctionne maintenant les loops ici. Là il y a des dièses partout. Ok, je viens mon premier tour, tout va bien. Alors que je remonte. Encore 9, 8. Ah oui, ça veut dire que s'il y a quelqu'un qui a un tour d'avance comparé à un autre, ben il se fait baiser, quoi. 6. 5. 4, 3, 2... 1, 0, ok, ça fait deux tours. Va pas trop vite, sinon tu vas te faire coiffer au poteau. Attends, je gagne. Je bats même mon, mon pibi. Hein. Je suis à fond dedans. Suivi par Ultra Dimensio. Dark Company. Doc. Tadak Mac. Doc qui est deuxième, du coup. Logiquement, on est bon. Alors qu'on va me dépasser, ça y est, Doc me dépasse, ça y est, Doc passe devant. Doc passe devant. Alors que les autres sont repartis dans l'autre sens, ils n'ont pas compris qu'il fallait revenir là-bas. Apparemment l'obstacle a l'air compliqué ici. Hein. Ah oui, c'est. C'est horrible ici. Alors doc et moi, Doc et moi. Ok. Genre passe devant. Doc juste derrière. compagnie. Alors que Talakma qui a coiffé au poteau et a attendu que ça change, et Ultra Dimension passe deuxième. Quel retournement de situation! Ça veut dire que Doc, moi et Dark Company faisons un tour de trop. L'injustice. Quelle injustice. Ça mérite d'être jeté tout ça. Et c'est Talakma qui finit la course du coup. Il, il s'est mis dans un coin, il a attendu que les organisateurs modifient euh, le marathon euh, des 10 tours là. Et du coup, Doc qui dominait un petit peu la, la course a fini du coup par se faire euh, avoir parce qu'il m'a suivi en fait euh, un moment. Eh Bravo, Tadakmac, Mac. Il faut dire que quand il y a du monde, ça peut partir vraiment en couille. Hein. Avec sa boule disco, champion. Deuxième, ça me va. On a les deux bâtards qui, qui ont attendu tranquille. Moi, <laughs> bon, allez. Donc il doit être vénère. Play Attends, 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 attends voilà. ça, ça, On va revenir, c'est bon. Ouais, là, tu peux envoyer le play. Merde, j'ai mal fait, j'ai mis un espace. Player. Tout le monde est en train de se play. player. Euh, moi aussi. retard Alors on a quoi Ultra-dimension. Talakmak est encore bien placé Darko et moi même on est derrière et Doc euh, voilà, qui a envoyé le play qui est à côté il est à ma droite il me colle au train, il me colle au basque il faut coller au basque de Talakmak hein. donc du coup Darko toujours pas de win Ultra Dimensio pas de win encore <laughs> surprise polish <laughs> On prépare les petits strats, tout va bien. Surprise plus lourde. Moi, ouais, j'ai une technique infaillible pour gagner. Kik, 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 kik. Alors, attention, lancement dans 10 secondes. Il commence à y avoir de la compète. C'est que des billes, hein, c'est d'ailleurs RNG. On s'énerve pas, tout va bien. J'ai pas fait le 5 4, 3, 2 1. Désolé pour ceux qui voulaient faire un surprise play. Allez, good luck have fun. Moi c'est bien que ça soit pas moi qui gagne, comme ça y a... ça prouve qu'il n'y a pas de tricherie. Alors dans celui-là aussi, je l'ai déjà fait. C'est Doc qui a gagné, je crois, celui-là. Ouais, c'est Doc qui a gagné celui-là. Oh T'as qu'est-ce qu'il fait Oh non, il a mal. Il a trop poli. Il était en train de polish pendant que la course a commencé. Pour l'instant, c'est moi qui domine, j'ai été bloqué, je suis ralenti, ça c'est le record, on s'en fout. Ok, je tombe, Darko me suit, Darko a très bien fait son coup, pas trop non plus, je suis devant. Dagmac et Doc sont bloqués pendant un petit moment, Ultra dimension Dark, moi-même. Hop, j'essaie d'aller à gauche, allez. Avec le canon, oui le fameux canon, j'ai oublié le canon. Attention. J'ai pas changé ma strat. Hein. C'est le même canon. Piuou. Et Darko qui passe aussi. Qu'est-ce qui s'est passé Et moi et Darko compagnie qui sont gertés comme des pauvres merdes. Alors que Doc essaye lui aussi. Lui s'est passé. Talakmak qui passe devant. Alors que non, Doc a passé l'obstacle et non pas Talakmak. Enfin, ils sont coudes à de coude, là. Mais c'est Doc qui est devant. Alors qui va sortir en premier Ça a l'air d'être Doc. Non. Si c'est Doc mais record et Doc derrière. Deux Doc, il y a deux doc Va-t-il battre son pibi du coup Reste plus beaucoup d'obstacles. Comment on a pu foirer un canon pareil, Darko C'est dommage. Alors c'est le record de Doc, suivi très près par euh, Doc tout court. Il prend l'obstacle de l'autre côté. Talakma qui est derrière. Il va prendre le moulin. Ultra Dimensio qui continue ses petits tours. Attention les derniers obstacles, c'est dangereux. Ah Doc est passé au milieu mais il a passé l'obstacle, tout va bien. Talakma qui suit juste derrière. Doc va gagner une course, attention. C'est sa course à lui. Indétrônable. Eh oui, indétrônable. Ah, oh, qui est ralenti. Attention, Ultra Dimensio qui va finir troisième, logiquement. Oui, Dark Dimensionio troisième, 3ème, Max 2ème, moi-même, j'ai RT comme une pauvre merde, et Dark Dimensio, Dark Company, pardon, <laughs> Darko Company, j'ai RT comme une pauvre merde, et la grosse fiote, c'est moi, je suis le premier à être Yeah, enfin, 3ème, ça passe. Bon, pour l'instant, on n'est que 5. Un jour, quand on sera une vingtaine, non, on mériterait la, la victoire. Ah, oh, je continue, hein. Évidemment, ça va être un live classique, ça va plus être un truc de test. Paf. First! Oh! Oh, Doc en dessous! Tac, Mac, juste à côté entre nous deux, pour nous séparer, avec son épée. Une petite personne à droite? Pucra Dimensio, voilà! Je vais te demander. Longue terre. 1, 2, 3, 4. Il manque quelqu'un pour l'instant. Il manque Dark compagnie Et Félix, s'il veut rejouer. Alors, je ne sais pas s'il si est dans le chat. Je vais vérifie. vérifier. vérifier s'ils sont encore dans le chat quand même. Ah non, il n'y a plus Félix. Donc dit plus la merde. Euh, revérification. Ok. Alors, plus de nouvelles de Darko. On va attendre encore 10 secondes. Avec le décalage, ça va faire mal, attention. Un petit peu le décalage. 5, 4, 3, 2, 1. Désolé pour ceux qui voulaient joindre. Et good luck à fun pour ceux qui ont participé. 1 que des lags. Alors attention, oh, le tombé ultra dimension Et tiens la qui passe devant, sauf qu'il est très très loin. Mais c'est bon, il est premier, suivi par Ultra Dimensio, Doc et moi-même. Attention, accélération brutale. On passe les oreilles de Mickey. Alors là, il y a des obstacles, faut tout casser apparemment. Alors qu'il y en a qui sont bloqués. Tout le monde est bloqué, très bien. Il faut attendre. Ça devrait disparaître avec le temps. <laughs> Sinon, on est tous morts comme des pauvres merdes. Et c'était une course pourrie. Ça y est, c'est bon. Et c'est Doc qui passe devant, sauf que moi j'ai une accélération. Alors que Doc va passer les flèches en premier, donc du coup, il a l'accélération lui aussi. Il est passé loin devant. Deuxième obstacle. Deuxième obstacle, on est bloqué. Les autres derrière sont encore bloqués de leur côté. On est bloqué par trois cailloux. J'espère qu'il y aura pas à la fin de la course qui va nous rattraper rapidement. Ça paraît être une course sympatoche. Hein. Elle a nul à chier ça. Ah oui, elle est horrible. Beam. Ah, Takma qui rigole pas là avec son épée. Oh, donc il a passé, passé le deuxième obstacle. Il continue vers le troisième euh, niveau d'obstacle. Donc okay, il nous ouvrir la voie très gentiment. Très sympa. Ce jeu. Oh, ultra dimension Ultra dimension qui pose l'obstacle comme un enfoiré. Oh là là. Bon, j'ai dit que ça avait l'air nul à chier. Oh, Takma qui a voulu prendre un raccourci. J'ai RETÉ comme une pauvre merde. Quel dommage! sais pas ce qui s'est passé, mais il est tombé! Alors, moi, je suis très loin derrière. Doc essaie de rattraper Ultra Ultradimensio, ça Ultra y est, qui est bloqué dans cet obstacle. Allez, on, on voit arriver. Ultradimensio qui va nous ouvrir la voie très gentiment. Il reste encore une zone d'obstacle après derrière. Z Bim! Doc qui arrive, qui a percuté. Ah oui, dans ce jeu, il est autorisé de bousculer euh, ses adversaires. Moi-même, je traîne. Hein. On s'en fout. Alors, Dimension, attention, il va passer entre les deux. Il est bien parti. Ah, ça passe de peu. Il bouche le trou pour Doc. Doc ne peut pas passer, Ultra il, il a fait la strade de fourberie. Il laisse des obstacles pour euh, ceux qui sont derrière. Alors que moi-même, je vais arriver. Euh, je vais être bloqué. Euh, je suis déjà très bien bloqué, moi. Donc, euh... Ah là là, il reste encore quelques autres obstacles. Il ne reste plus grand chose. Oh putain, ça va jouer là-dessus. Avec les flèches et tout. Non, Doc qui est jerté comme une pauvre merde. Il reste plus que moi qui est complètement bloqué de l'autre côté. Très 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 loin. On sait pas ce qui se passe, mais apparemment les flèches font des font des bords. Hein. Ok, ça joue entre Ultra Dimensio et moi du coup. Ultra Dimensio qui est bloqué là-haut, moi-même... Euh, non, j'arrive pas à trouver. Ultra Dimensio, bim. On n'a pas encore le truc qui est en train de nous rattraper, tout va bien. Ultra Dimensio qui a passé le dernier obstacle, attention, maintenant on est dans les obstacles... Un peu fourbe. Bon, je pense que Tradimonsio est bien parti pour finir la course. Là, on est bon. Tradimonsio a toutes ses chances de gagner parce que moi, je suis en train de passer vers la droite et que c'est vraiment euh... pitoyable. Hein. J'ai été de tension tout le long de la course. J'ai juste, euh... juste graillé deux personnes qui sont tombées comme des pauvres nerfs. Alors que il reste plus que deux gros obstacles à passer. Il peut même contourner celui qui, qui est devant. Ah là là, en plus, si je passe par la droite, c'est fini. Alors que moi je viens de passer à un autre obstacle. Hop, je m'en percute un autre. Et puis un autre. Voilà, je suis encore bloqué. Ah oh là 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 là. Ouh, attention, Ultra Dimensio qui vient de casser cet obstacle. Hein. Il aime bien tout, tout niquer. Alors maintenant la grande question c'est est-ce que moi-même je vais finir la course avant que le finish arrive Attention, je reste à gauche, Henri. Vite, 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 trop tard. Allez, Allez, je me prends l'obstacle. Allez boum, je boum, je me prends tous les obstacles, voilà j'ai envie de tout casser, très bien. Je casse tout. Alors par contre, avant que la fin arrive, elle arrive vite ou elle arrive pas vite Ça bah, va, bah, on a de la marge apparemment. On la voit là-haut. Elle arrive, elle arrive. Mais j'ai de la marge, je vais finir la course. Tout va bien. Quoique, quoique, j'ai encore deux obstacles à passer. C'est pas fini. Les deux derniers cailloux, j'en balance à Ultra Dimensu parce que je suis vénère. On la voit à la fin, elle arrive. Mais elle est assez loin. Elle arrive, elle arrive. Tandis que qui est en train de se balader à l'arrivée, tranquille. Et voilà <laughs> Mon arrivée. Ultra Dimension qui a gagné. Et les deux autres qui sont tombés comme des pauvres merdes. Et c'est Talakmak le premier qui. Euh, non Si Après, c'est Doc. Ouais, c'est bon. Tout va bien. <laughs> Tout va très bien. Euh, ce qui fait que tout le monde a gagné au moins une course en, parmi les participants ici. Actuel, hein. Allez, une autre. On a encore du temps. Attention, course bonhomme de neige. Ouais, je suis sur le chapeau. Alors que Dark Company, ça y est. Et de retour. Allez, il reste plus que toi à finir au moins une course. Premier. Bon, ça va être dur, il commence à y avoir du monde quand même. Tradimensio. Le retour. Ah. En fait, t'as juste poli-tabi pendant une course. Prêt En plus, ça a l'air bien parti, là. C'est Talakmak qui nous manque. Au moins. Donc on est sur Tundra Tumble 2. Et Phoenix qui nous rejoint à nouveau. Incroyable. Est-ce qu'on va battre le record du nombre de participants On est à 5, il en manque un pour battre. Début dans 20 secondes, 20 secondes avant le lancement. Ah, je crois que Taraknak est parti. 10 secondes, on restera à 5. 5, 4, 3, 2, 1. Top! Désolé pour ceux qui voulaient s'inscrire et good luck à fun pour ceux qui sont dedans. Alors, moi je suis sur le chapeau, je suis mal passé. Hein. Je crois que c'est Dark Company qui a l'air d'être le mieux placé. Mais après, je ne connais pas trop le niveau. Donc euh... Et c'est la tombée des champions. Oh, Ultra Dimension qui... qui a tout niqué. Ça y est, il a, il a tout raflé. Il a raflé la victoire. Suivi par moi. Dark Company 3 alors que Phoenix et Doc n'ont pas encore entamé la boule de neige. Ils sont bloqués. Un qui a tout compris de cette course, apparemment. Doc et Phoenix. Alors, hein. Phoenix est toujours bloqué. Il a l'air d'apprécier ce bonhomme de neige. Il a trop regardé la reine des neiges, quel dommage. Il a fait, notre... il a fait son retour et finalement eh... il s'est cru à la reine des neiges. Ah, attention, on est sur les, les tours de circuit euh, de parking. Attention, il faut éviter d'être de... jeté comme des pauvres merdes. Alors, Ultra toujours premier. Je le suis au talon. Darko Compagnie qui se laisse pas faire. Doc qui a mal pris euh, ses loopings de... Enfin, c'est tourniquets de... Vous m'avez compris. Oh, ultra dimension qui tombe. Comme une. Pauvre merde. Quel dommage. Et je prends la tête de la cour suivie par Darko Compagnie. Doc, faut pas faire pareil. Phoenix non plus. Attention, apparemment, il y a un truc... Euh... Ah, il peut y avoir des jumps aussi. On est bloqué. Doc, qui est bloqué aussi. Oula, je vais entamer un truc ultra hardcore que je comprends pas. <laughs> Alors que t'avais la tête de quoi Oula là, ça tourne dans l'autre sens. Qu'est-ce qui se passe C'est pas moi qui contrôle. Je contrôle rien. Je ne sais pas ce qui se passe. On est bloqué. Apparemment, il a l'air d'y avoir des trous. C'est pas du tout euh, qui va dominer. Alors que Doc vient de me rejoindre et de l'autre côté. On a Phoenix qui va rejoindre Dark Company. On est en train de se bousculer. Oh Doc qui il... m'apprend comment fonctionne le truc ultra hardcore que je comprends pas. Pour l'instant, personne n'est encore descendu. On n'arrive pas à sortir cet obstacle. Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, Darko Company qui passe devant. Attention, faut pas aller jeter maintenant. Et moi, je suis derrière. Il reste toujours Phoenix et Doc qui sont bloqués, mais apparemment, ça resterait longtemps. Je suis ralenti par des caillasses de merde. Phoenix et Doc toujours dans le tourniquet que je comprends pas. Ah, c'est la fin de la course. Attention, Darko Company qui va avoir sa première victoire dans quelques instants. Félicitations, Darko Company. <laughs> il gère comme une poignée. Non, c'est bon. Tout va bien. Et Darko Company, voilà. Je crois qu'à peu près tout le monde a gagné au moins une course. Je bon, crois même Phoenix, il a gagné au moins une course. Oh là 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 là. Et Ultra Dimension qui a vraiment pas eu de chance sur ce coup-là. Quel dommage! Alors, Doc qui va entamer ses derniers tours. Et Phoenix qui est enfin sorti. Mais bon, euh, il a trop traîné sur la boule de neige. À moins de prendre un raccourci. C'est pas possible. Il ne reste plus qu'une minute 3. Allez, Phoenix. Tout va bien. 2 minutes 44. Et boum Bravo à Darko Compagnie <laughs> Ultra qui était bien parti pourtant. Ah il a fait un début euh, sous les chapeaux de roue et d'un seul coup. Il était fan de vitesse, il fallait qu'il tombe. <laughs> Sensation forte, il s'est ski, il voulait faire la piste noire, lui, il voulait pas faire la piste verte pourrie qu'on a fait là. <laughs> Eh ben c'est bien, c'est un viewer tout badass qui nous a tous coiffé au poteau. Il a battu un modo et deux VIP champion. On a l'air con. Hein. Next, vengeance. Allez moi, je pris la bonne course. Ok, c'est la même course, mais d'une couleur différente. Toujours les mêmes en fait. Toujours la même course. Et donc, il me suit juste à côté. Allez, bien placé. Vénis qui m'a collé. Bon, c'est bien que j'ai fait des raccourcis comme ça. Ultra Dimensio. Ouh là, là le début va jouer entre Ultra Dimensio et Doc. Ça dépend quand je vais start en fait. Parce que vu que là, ça, c'est en mouvement. Euh... Darko Company qui nous a rejoint On est à 5, on est à 5. Donc à moins d'un petit nouveau qui battrait le record du nombre de participants sur ce live. En 5 c'est facile à battre. Je dirais. Allez, lancement dans 15 secondes maintenant. 15 secondes. Attention. 5, 4. 3 2, 1, trop tard. Good luck have fun pour tout le monde. Compétition serrée, ils se connaissent très bien maintenant. Ça commence par la partie RNG. Je rappelle qu'il y a un compte à bord de 10 secondes. Je ne contrôle pas après la RNG qui va arriver. Je ne contrôle plus rien. La preuve, c'est moi qui a fini dernier pour le lancement de la RNG. On va entrer dans ce que j'appellerais le Krapchenko du niveau. Et c'est Dark Compagnie qui est sorti en premier. Tout va bien. Il n'a pas été. Euh, voilà, euh, Doc a bugué. Ultra Dimensio aussi. Non, Dark Compagnie, il est en forme. Ça y est. C'était un diesel. Il a mis du temps pour euh, essayer. Maintenant, il va enchaîner toutes les victoires qui vont arriver. C'est parti. Attention de ne pas faire la même erreur qu'Ultra Dimensio quand il était vénère. Parce que ça peut rapidement dégénérer. On a un obstacle de... qui fait pas du tout peur. Si, un petit peu. À peine. Hop, deuxième obstacle réussi. Alors que Doc va entamer le premier obstacle. <laughs> ça y est. Le peloton, ça suit. Tout le monde s'est pris l'obstacle n'importe comment. Dark Company nous a pas bien montré comment il fallait gérer. On va entamer la montée. Doc il finit lui aussi, il commence à rattraper son retard. Ultra dimension a mal pris la montée. Dark Company qui met vraiment la rousse. Attention, attention, ça peut être géré ça. Tout va bien. Bien esquivé. Pour l'instant, le perfect pour Darko Company. Ça demande ceux qui vont entamer à son tour l'obstacle. Par le milieu, très dangereux. Mais c'est passé. Ça a ralenti quand même. Doc, attention, ici, ça peut gerter. Tout va bien. Phoenix, maintenant. C'est passé. Moi, ça ne va pas passer. Si, tout le monde est passé. Tout va bien. Prochain obstacle, du coup, c'est Darko Company qui va baptiser le prochain obstacle. Le bol. Le bol, c'est passé. On va entamer une partie un peu plus compliquée avec le tourniquet. Il y en a deux en plus des tourniquets, donc ça... la RNG peut être encore là. La bille qui roule ça ramasse pas mal de mousse. Oh là là, un tourniquet qui est passé tranquille. Attention le tunnel, ça peut gerter ça aussi. Ah, quand c'est mal entrepris. Alors Doc et Ultra Dimension vont passer le premier tourniquet. la Compagnie a passé le tunnel, tout va bien. Doc a des soucis avec le tourniquet numéro 1. Darko compagnie qui commence. Voilà, un looping. Looping qui est passé. Oh, Phoenix, il tombe comme une pauvre merde. On ne sait pas si c'est le tourniquet ou le tunnel, mais en tout cas, Darko compagnie a du mal avec ce tourniquet là, qui est un peu plus lent. Il est passé à travers, c'est cool. Hop, on repasse la porte. Non. Alors qu'il y a Ultra Dimensio et moi-même qui avons rejoint. C'est Ultra Dimensio qui passe devant. Il a compris qu'il fallait attendre que quelqu'un soit jarté pour passer devant. Maintenant, il se sent en sécurité. Il reste encore quelques petits obstacles sans trop d'importance qu'il peut gerté, Attention. Oh là, il a été jarté Comme une pauvre merde. Quel dommage. Ah, du coup, c'est Darko Compagnie qui reprend la tête de la course parce qu'il n'a pas confondu vitesse et précipitation. Attention, Darko Compagnie. Qui est jarté comme une pauvre merde. Ah, oh, c'est pas vrai. À mon tour, qui une... Attention, il une course très difficile à terminer doc. Allez, l'espoir. Il est ultra hardcore ce, ce dernier passage. Oh c'est Doc qui gagne Contre toute attente, c'est le flemmard, c'est celui qui est à la traîne de AZ de la course qui termine premier. Il a été dernier Il a été dernier tout le long de la course mais parce qu'il n'a pas été gerté. <laughs> Franchement. Et voilà. Il a avancé prudemment. C'est comme ça. Hein. Et il faut conduire prudemment. Et il a tout appris. GG, Doc. Maintenant, MDR. <laughs> c'est quoi ce saut GG. <laughs> <laughs> J'adore. Sympa le message, quand même. Mais c'est quoi ce saut Ah ouais, GG, au passage. <laughs> GG, champion. Ouais Bravo, Doc. <laughs> Ta vie a été plus intelligente que les autres. <laughs> Une bille à 200 de QI. Oh là là, il y, y a un gros bol pour commencer. Allez, c'est parti, Félix, c'est chaud patate là. Pour la prochaine. Alors, Doc Horry. Ah, ok, je suis là, je suis caché derrière le. La petite, la petite bille qui est là, c'est moi. Radi Moncio, Arco Compagnie. Donc tous ceux qui étaient là à la course précédente sont là. Je crois qu'il y a Félix et Doc qui sont coude à coude là. On va voir si leur position était mieux que la nôtre. En tout cas, j'ai bien aimé cette course. Il y avait pas mal de RNG et beaucoup de Gert à la fin. Ce qui fait que c'était une très bonne course à regarder. En espérant que celui-là soit aussi bien. Va voir que je regarde la rediff pour savoir euh, c'était quoi comme, euh, comme course. Allez, lancement dans 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Rien ne va plus. Good luck have fun. Évitez de jeter comme des pauvres merdes. C'est parti le lancement. Il fait très très sombre. Hein. Ce gros bol géant, euh, on voit pas grand chose. En tout cas, Doc Phoenix euh... ou oh, Phoenix, ça a l'air bien parti. Ouais, Phoenix, non, non non non. Redimonsio, moi-même. Oh là, ça joue serré. Phoenix, Doc, moi. Ça tourne encore. Il tourne, il tourne. La dimension a l'air plutôt large. Oh là là là. Fin de course, ça y est, c'est fini. C'est rapide. Euh, non, personne n'a encore pris. Putain, la vache, il est sympa ce. Il faudrait être un peu plus nombreux pour vraiment que ça commence à tomber. Comment ça se faire chier Il faut... faut se décider, allez Quand il la volontaire pour rentrer dans l'anus euh, de l'enfer. Personne. Bon, Je mets pas téméraire. Ah Phoenix oh, est à deux doigts. Phoenix c'est pour la prochaine Non. Sympa la gravité. Vous avez une rotation de planète autour d'un trou noir comme d'habitude. Oh là là, j'ai bousculé Ultra Dimensio. Attention, le tricheur de rire a encore frappé. Ah, il a deux doigts, Phoenix aussi. Ah, il faudrait pas qu'il soit poussé. Ça a toujours pas tombé. Hein. Ah, ça y est, je tombe. Je suis le premier à tomber. Oh, c'est gros. Ok, au coup à coup d'être Phoenix. Euh, Dark Company, Ultra Dimensio, Doc, on est tous au coup à coup, coup Attention, là ça devient extrêmement bordélique de suivre euh, ce qui va arriver. Je sais même pas qui est en train de gagner. En tout cas, ça a l'air d'être Phoenix suivi par moi. Phoenix, ça m'a rattrapé à mort. On va arriver sur le prochain obstacle qui est... Oh non, des trucs de merde. Attention, il y a des anneaux bleus. Je sais pas ce que ça fait, les anneaux bleus. Hein. Paf, paf, explosion. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé Ils ont été téléportés de l'autre côté. Ils doivent refaire un tour de boucle. Quel dommage. Doc qui passe les obstacles. Félix aussi, au coup coude, Mais Doc a l'avantage d'avoir cassé en premier. Moi-même, bon, moi cet obstacle pue la merde. Ça a repassé un portail de l'autre côté. Euh, Darko Compagnie qui est là, il nous ont... manque quelqu'un. <laughs> quelqu'un a disparu. C'est Ultra Dimensio qui a... Oh il en a eu marre, il a fait un détour. GG. Alors que Darko Compagnie refait encore un détour. Ultra Dimension est en train de rattraper son retard alors que je sais pas ce qui se passe. Là. Donc euh, Phoenix et moi-même, on est complètement bloqués. Ultra Dimension qui va finir par nous coiffer au poteau. Darko Compagnie qui va suivre Ultra Dimensio. Mais ces putains de trucs bleus n'ont peut-être pas fait l'unanimité. Oh là là, c'est encore un sacré bordel. Hein. Je, je sais pas qui est en train de gagner là. Là je me vois avec euh, Phoenix, Doc de l'autre côté, Ultra Dimoncio dans une autre spirale. C'est un bordel. Il au manque quelqu'un. Il est où Dark Il est là-haut. <laughs> tout va bien. <laughs> Vraiment, ça a l'air d'être Ultra Dimoncio qui a l'air bien parti. C'est lui le premier qui va entamer en tout cas cette partie-là du garage, euh, de la, de, le garage infernal. Alors que nous, on se retrouve encore euh, à casser des briques. On ne sert qu'à ça, sachant que c'est Doc qui a l'avantage là-dessus. Oh, je suis complètement bloqué là-dessus. Ok, oh, c'est l'arrivée, mais attention, il y a trois cercles. Il y a trois cercles à passer, attention. le Dimensio a décidé de nous rejoindre enfin. C'est Doc le premier qui va peut-être baptiser les cerceaux ou qui va atteindre l'arrivée. Ah là là, fallait passer maintenant. Je passe devant. Attention, l'anneau. Et c'est... Perdu Froh, c'est toi qui gagnes. <laughs> J'ai pris l'anneau. J'étais Frodon. Il est où mon Frodon il est là-haut. il est loin. Je <laughs> suis parti. J'ai pris un portail interdimensionnel. Ultra dimension. Oh, ça, ça oh là ça a pris. Oh là-haut, ça a pris aussi. La d'arc en compagnie moi-même et ultra dimension qui sont repartis là. Oh putain, on a repris encore plein d'anneaux. Alors que la fin du niveau commence à nous rattraper. Maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. Non, c'est mort. Je crois qu'on va être jertés comme des pauvres merdes. Ah oui, là c'est très très mal parti là. Oh là 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 là. Ultra Dimensio qui va être la première victime de l'arrivée euh... prématurée. Moi-même ouais, je commence à redescendre, le problème c'est qu'il y a tellement de tours de piste à faire. Alors que Darko Company n'a pas encore fini sa course, lui, il est bloqué sur les obstacles. Alors que je commence à essayer de le rattraper. Il faut pas tomber dans les anneaux, c'est pas le moment. C'est bon pour Darko Company. Ultra Dimensio qui a deux doigts de se faire gerter. Attention, la fin du monde arrive. Moi-même ça devrait être bon. Et je passe pas d'obstacle. Par contre, Ultra Dimension, je crois que c'est un petit peu mort. Alors, attention, ça arrive. Vous dépêchez, Ori. Ne prends pas d'anneau. C'est bon pour moi. Ultra Dimension est mort. La fin du monde. Pff. Allez, ça dégage. C'est la décadence pour moi en ce moment. Donc, on récapitule. J'ai failli coiffer au poteau Doc, mais étant. Beaucoup trop rapide, je suis tombé sur un portail interdimensionnel qui m'a fait revenir au début. Et ça a failli me coûter euh, ce qui arrivait ultra dimension juste derrière. Euh, sachant, je crois qu'il y a aussi Darko Company qui lui a eu du mal ou est passé un portail. Mais il y avait un double portail chez quelqu'un, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il est retourné au début du niveau. Pas de cul. Vraiment, pas de cul. Le jeu, il veut plus de Ultra Dimensio. Hein. Bon encore GG Doc pour cette belle victoire. Allez next. Ok, attention, il y a de l'orage. Phoenix, moi, les et deux. N'hésitez et pas à bien polir vos billes. Ultra dimensio. Ça fait 4 avec doc. Alors qui nous manque par rapport Il manque Darko. Il manque Darko. Ça va être dur de commenter quelque chose qu'on voit à peine avec euh, toute cette flotte. Non, pas encore le tourbillon de l'enfer. Pas le bol. Alors avec de l'eau, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Okay, en tout cas, tous ceux qui ont été là, à la course présidente sont réunis. Revérifie, Phoenix, Ori, Doc, Ultra, Darko, tout va bien. Lancement dans. 10 secondes. Un petit nouveau, c'est le moment. 5 secondes. 3, 2, 1. Désolé, trop tard. Good luck, at fun, pour euh, ceux qui participent, comme d'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les placements J'ai pas regardé. Ah, il y a Doc qui est là. On voit pas. Alors, avec de la pluie, qu'est-ce que ça va donner du coup Oula Ouais, on joue au Keno Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive Phoenix Ultra Dimension, bon, ça a l'air d'être peut-être un peu plus rapide. Ah oh, oui, c'est plus rapide, ça arrive. Hop, ça va chez les obstacles maintenant. Ça va très très vite. Oh attention, un tunnel, ça gère facilement ça. Avec des flèches en plus. Darco Compagnie. Phoenix. Attention, les premiers gerbes vont arriver. blah Et je coiffe tout le monde au poteau sans mourir, tout va bien. Attention Doc, hein, les tunnels, c'est pas trop ton fort. Hein. Ok, tout va bien. On passe le deuxième bol. Et c'est moi qui passe devant. Les autres sont coincés dans le bol. Phoenix passe derrière. Oulala, là c'est dans. Oh là là, là, dans... Ouh là, là Ouh, ça passe bien pour moi pour l'instant. C'est pas le moment d'être gerté. Alors que je vais faire un petit coup là, hop là, tout va bien. Lui, il parle du sur le Phoenix. Doc qui rattrape son retard. Darko compagnie qui a essayé de le coiffer, mais Doc est plus rapide. On passe le prochain bol. Je passe le prochain bol. Dernier obstacle, un obstacle qui gère pas trop, tout va bien. Et on va passer un canon maintenant pour arriver jusqu'à la tornade de Konoa. La tornade est passée, c'est pas fini. C'est la, la tornade machine. À la... Oh là là, il y a un truc qui a cassé là. Qui c'est qui a tout pété Darko compagnie a tout cassé, du coup, passe devant. Voilà, j'étais coiffé au poteau. Ultra Demon est gerté, comme une pauvre merde. Quel dommage. Attention, la tornade fait pas de cadeau. Je passe derrière Darko Company qui... qui enchaîne les victoires là. Tout va bien. Allez Doc, respecte-toi, Phoenix. Faut pas jouer la prudence à hein, Darko Company à gagné là. À ah, quoi que, il y a un tourniquet qui gêne. Le tourniquet fait chier. Moi, je suis ralenti, je sais pas pourquoi. Doc et Phoenix sont toujours dans la machine à laver tornade. Dark Company qui a du mal, je le rattrape, attention. Ah, oh, et le docteur qui gère, comme une pauvre merde. Attention, alors moi et Dark Company, je passe, je passerai le pas. Alors j'ai coiffé Dark Company, Fénix Phoenix est toujours bloqué dans la tornade. Et je termine la course, si tout va bien. Et voilà, j'ai battu tout le monde. Merci, à bientôt. Phoenix est toujours dans la tornade. Dark Company qui est toujours dans le tourniquet. C'est bon, Dark Company, ça devrait aller. Maintenant, on va voir Phoenix qui a du mal à sortir de cette tornade. De l'enfer sur terre! Qu'est-ce qui lui arrive? Il est là! Il tourne, il tourne, il tourne! Il tourne Il tourne encore! Il est bloqué! Il est bloqué alors que la fin de la course commence à arriver! Phoenix aïe qui passe la tornade! Et qui tombe euh, correctement! Et qui est gerté! Comme une pauvre merde! <laughs> C'était ça ou la fin de la course? <laughs> Quel dommage, madame il y A eu beaucoup de victimes sur cette course-là! Ah, c'est mérité pour moi, je méritais euh, la victoire euh, pendant la moitié de la course, je dominais jusqu'à ce que Dark Company me coiffait au poteau et fut bloqué pendant une éternité sur le tourniquet, c'était incroyable. Mais quel échec, quel échec, vraiment dommage. Quant à Ultra Dimensio, ben c'est le tunnel je crois qui lui a posé problème, Dox euh, a été la tornade et Phoenix, euh, on ne sait pas, il a mal rebondi après la tornade, c'est vraiment dommage. Je vais en lancer une autre parce que ça commence à me faire mal aux oreilles. La Tempête de l'enfer. Ah, celui-là, on la connaît. On la connaît bien. Phoenix qui nous rejoint. Enfin, qui me rejoint. Ah là là. La Dark Company, Ultra Dimensio. Il nous manque au moins un Doc pour cette course. N'oubliez pas le surprise play pour ceux qui veulent rejoindre qui connaissent pas Marble on Stream. Donc ça marche très bien. Là, il n'y a plus de problème au bout d'une heure de live, ça marche très bien. Et en plus, il y a du monde pour pouvoir s'amuser un peu. Alors là, je suis bien placé ou pas J'aime pas trop mon placement. j'aurais pré... vraiment préféré commencer direct là parce que c'est des prises de risque. c'est tourniquet avec des trous. Alors, lancement de la course dans 15 secondes. 15 secondes de la course. même peut-être un peu plus attention 5, 4, 3, 2, 1 top trop tard allez good luck have fun pour ceux qu'on voit pas là-haut à cause du truc euh, au-dessus en tout cas tout le monde est là les 5 billes euh, les habitués les habitués de ce soir allez blib 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 blim alors qu'il y a un record de moi-même hein, c'est vraiment la course que je maîtrise le plus <laughs> Pour l'instant, c'est mon record à battre. Et là, je suis en train de pulvériser mon record. Mais attention, on ne confond pas vitesse et précipitation. Les gens vont être jertés comme des pauvres merdes. Ça se voit au double tourniquet qu'il y a ici. De toute façon, là, tout a l'air de bien se passer. Je passe devant. Super vitesse de jeu, jert! Comme une pauvre merde Adieu. Tu ne battras pas le record dans cette course-là. En tout cas, ça a l'air d'être Dark Company compagnie qui a l'air de battre le record. Lui, par Phoenix et Doc, et est enfin ultra dimension qui va entamer le tunnel. Attention, le tunnel peut être redoutable. Non, tout le monde passe. <laughs> Mon record, il passe, ça, c'est sûr. Il sera des qui a un peu de retard, mais pour l'instant, Darko Company, attention, loup. ou le saut de l'enfer. Non, c'est bon, tout va bien. il okay, est bloqué, Darko Company qui passe loin, loin, loin devant. Tout va bien pour les deux autres pour l'instant, je vérifie, parce que ça a l'air de, de girter euh, comme des malpropres, après. Non, tout a l'air de bien se passer, oui, tout se passe bien. On va entamer. Euh... Ça, ça fait peur de voir les, les billes tomber, mais tout va bien. C'est bien récepté. En fait, il n'y a que moi qui est mort comme une merde. Bourse de l'enfer. Alors, Dark Company qui est très très bien. Doc. Ultra Dimension Phoenix derrière. Voilà, Dark Company qui arrive. Doc qui va arriver derrière. Attention, il y a un tourniquet, Dark Company. T'as Nemesis, c'est là. Ah, oh, ça joue. Et Doc qui passe devant. Mais il a été ralenti par le stade, donc du coup il se fait rattraper par Dark Compagnie. Doc, Dark Company. Doc qui passe alors que Dark Company s'est pris un obstacle. Doc qui se prend un obstacle à son tour. Dark Compagnie qui se reprend un autre obstacle et le docteur qui bat le record. Ah oh là là, ça s'est joué de peu vers la fin. Il manque Ultra Dimensio. Phoenix il passe enfin. Un record pulvérisé en tout cas. Allez, c'est bon. Une course qui va se finir tranquille. Attention, ça peut se gerter à tout moment ici. Ah oui, c'est vrai que dans mon record, j'avais fait un petit skill ici. J'avais oublié. Il tellement d'avance. Que là, j'avais pris tellement d'avance, mais je suis mort. <laughs> J'ai eu trop confiance en moi, je suis mort. Je comme une pauvre merde. <laughs> Putain, c'est long à gagner des XP. Ça, <laughs> ah, ça la blablate. Bonus, ça sur. Ouais, ouais, GG Doc pour euh, cette belle course. Hein. C'est jouer avec Dark Company sur les derniers obstacles. Hein. Ça, ça, faut le faire. Hein. Et après Phoenix Ultra Dimension, qu'on n'a pas beaucoup vu, hein. c'était compliqué de, de vous suivre derrière. En tout cas, vous avez fini la course, pas hein. comme certains. Allez, next. On a encore le temps pour faire une ou deux courses. Après, ça, je vais me calmer pour aujourd'hui. Oula On ne connaît pas du tout ça Play. Oui. Phoenix. Ouh On est sur Frozen 2 mais j'ai chaud. Ultra Dimensio le Docteur. Ah, sans Phoenix a l'air d'être bien placé lui. Moi je suis juste à côté mais je suis un peu plus vers le losange. Phoenix est peut-être au niveau de là. Ah il manque Darko Company. Attention, Dark Company c'est bon. On attend encore un petit peu au cas où il y a quelqu'un qui voudrait nous rejoindre. Même si là je vois qu'au niveau du chat, non, il n'y a plus personne. Lancement dans 15 secondes. Quand je vais maîtriser les maps, je vais attention, c'est une map extrêmement compliquée, surtout le tunnel. Allez, 5, 4, 3. 2, 1, tato. Allez, good luck à Fun pour tous nos habitués. Je vois plutôt Dark en compagnie plutôt. Hop, non, je... Phoenix est bien placé, je trouve. Qu'est-ce que je disais Phoenix est très bien placé, mais il est rattrapé quand même. La petite descente du Krapchenko. Le doc, Phoenix. Hop, Phoenix. Et ultra dimension derrière. Et Doc et Darko et moi-même derrière. Tout va bien. Attention, ça peut se girter à tout moment. Alors que Phoenix va se faire coiffer au poteau par Doc. Darko compagnie derrière. Phoenix a été très ralenti. Donc du coup, on va le rattraper. Il va finir dernier. Tandemansu et moi-même. Pour l'instant, c'est Doc qui passe devant. Attention à un autre obstacle similaire qui a ralenti Phoenix euh, tout à l'heure. Et là, c'est Darko qui en paye les frais. Phoenix cette fois se fait pas avoir. Et moi-même, je sais pas pourquoi, mais j'ai fait un contre sens de ouf. Donc, du coup, je prends énormément de retard. Je sais pas pourquoi. <laughs> je crois qu'on va bousculer. Il y a des tricheurs de bousculade. Attention, il y a un obstacle. Phoenix va se prendre. Doc euh, passe une dernière, un dernier obstacle, mais il a mal pris. Phoenix qui va rattraper son retard. Heureusement qu'il y a des flèches pour accélérer Doc. Donc, du coup, Doc ne prend pas de retard. Alors, par contre, ça part dans deux sens. Donc, du coup, ça va être compliqué de commenter la suite. Alors que chacun va prendre non moi mais voilà pour faire chier Ultra Dimension et moi-même on passe de l'autre côté et pour l'instant c'est Doc et Phoenix qui sont devant ils vont passer les obstacles mais Doc c'est les obstacles ça lui fait pas peur il a passé à mort les obstacles on passe encore un obstacle similaire il va entamer maintenant la prochaine étape toujours mais il y a quasiment plus d'obstacles attention il y a des trucs qui gèrent pour l'instant aucune bille n'est tombée Doc et Phoenix sont au coude à coude pour la première place. Nous on va entamer de l'autre côté le même obstacle. Ultra Dimensio qui est à la traîne par contre. Oh là là, ça se répète encore. Hein. Je pense que la fin de la course, ça va prendre du temps avant que ça arrive. Ultra ok, Doc. Doc, ah oh là là Doc qui est mal parti. Darko Compagnie. Il est poussé par Darko Compagnie, ce qui fait qu'il refait un coup. Et moi-même qui se bat contre Darko Compagnie. Et Doc qui a perdu sa première place. Parce qu'on l'a bousculé deux fois lui-même et après. Euh... Non, Doc n'est pas dopé, tout va bien. Donc, du coup, maintenant c'est Dark Company suivi par moi-même. Alors, que euh, a beaucoup, beaucoup de retard maintenant. Doc euh, a été ralenti par le prochain obstacle. Moi-même et Dark Company, on vient de finir cet obstacle justement. Et là, on va taber l'avant-dernier euh, X. Ah, Dark Company est ralenti par un caillasse. Un stalactite, apparemment. Chute de stalactite. Ouais, même si j'ai été pris par l'obstacle. Maintenant il a disparu. Ah là là. C'est bon, je suis derrière. La compagnie va se taper un tourniquet. Nickel. Phoenix qui me suit derrière. Avec une bonne accélération. Il n'a pas été ralenti par d'obstacles. Dark Compagnie qui passe pour l'instant. Euh, le flocon de neige tourniquet. Qui passe très très bien. Tranquille. Ultra euh, Dimension qui est ultra hors terre. Et Doc qui, qui passe maintenant de l'autre côté pour faire chier son monde. Donc Dark Compagnie continue. Il a passé cet obstacle. C'est le dernier X avant l'arrivée. Je pense que Dark Company est bien parti pour finir. Il s'en fout des obstacles. oui, il a fini. Alors la victoire d'Ark Company. Il y a quasiment plus d'obstacles. À moins d'un miracle où il se gère comme une pauvre merde. Je vois rien. Ouh là, la Phoenix arrive en trombe. Phoenix arrive à fond. Phoenix y arrive à fond. Phoenix y, y arrive. Mais je pense que c'est mort. Il y a eu une flèche. Non, Dark Company finit premier. Suivi par Phoenix. Suivi par moi-même. Ensuite, il n'y a plus que Doc et ultra ceux qui sont quand même beaucoup à la traîne, je trouve. Doc, euh, les X c'est pas son truc, mais bon il va finir sa course tranquillement de l'autre côté évidemment. Doc il aura pris les, les sens contraires jusqu'au bout. Hein. On pensait au début que c'est lui qui prenait les, les, les bons sens, mais en fait c'est lui qui prenait les mauvais. Ah ok toi tu a raté le dernier X on est plus à sa près. Attention la fin de la course commence à arriver là, là ça fonce ça fonce une minute un, hein. une minute pour finir la course et plus d'obstacles, Bon, quelques ouais, quelques débris hein. ça, ça devrait aller. Allez, pour l'honneur. Et c'est la fin de la course pour l'Ultra Personne n'est tombé. Nickel. Alors que l'Ultra alors que ça va être probablement la dernière course de la soirée. Quel dommage On va finir la dernière course à 4 du coup. On va on va. en plus c'est une course qu'on qu connaît déjà donc tout devrait bien se passer. Allez la dernière course. et Phoenix. Après à vous de voir si on attend Ultra Dimensio, mais s'il est long bah. <laughs> Le docteur, bon là, il s'est pris au jeu à fond, hein, la doc euh, de A à Z. Merci à toi Doc pour euh, ces tests qui ont été très concluants. <laughs> J'espère que tu t'es bien amusé là-dessus. Si tu veux, Doc, c'était le truc que j'ai installé la veille, que je voulais faire à 23h, mais comme il n'y avait plus personne à 23h, tout le monde était parti. J'ai dit bon, finalement, je vais faire des tests aujourd'hui. Voilà ce que j'installais et qui fait que j'avais des drops pendant une bonne partie de la soirée hier. Eh ben, ça m'a fait plaisir, franchement. Je pense que je vais remettre ça pendant mon live. Je sais pas quand, mais je vais remettre ça. C'est juste un projet à tester. Alors, on n'est plus que trois là, par contre. Tout le monde est parti. Ça y est. Tout le monde est parti. On finit entre un VIP, moi et un Modo. Par contre j'ai un petit problème, j'ai une annonce. Allez Chatty, je vois plus le timing, là, je sais pas quand est-ce qu'on va lancer. Merci. Lancement dans 30 secondes. Est-ce que je vais le remplacer par Pokémon Non, je ne vais pas remplacer Pokémon, j'ai pas fini Pokémon. Je ne peux pas. Et je ne peux pas remplacer Super Mario Maker 2, puisque c'est quand même sacré pour moi de faire l'essence Mario Maker 2. Mais je pense que ça va être en tout cas pendant les streams du mercredi, euh, au cas où il n'y a pas de d'OTK de, 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 de Live ou après un OTK Live, généralement on finit vers 23h. Donc si je n'ai pas de vidéo à préparer, à quoi que ce soit, ce sera après le Yu-Gi-Oh! Comme ça, il y a déjà les gens du Yu-Gi-Oh qui vont pouvoir faire du, du Marvel. Enfin, il y a avec moi qui l'ai installé, donc ça fait plaisir. Bon, Ultra Dimension, je sais que c'est pas grave. C'est pas grave le retard. On est combien On est 4. Ultra Dimension est parti faire un tour, donc je pense que je vais pouvoir lancer dans euh, 10 secondes. J'avais dit 30 secondes, évidemment, il n'y a plus de 10 secondes. Allez. Pour la dernière course de la soirée. 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard. J'avais eu du mal à lancer. Trop tard, mais il y avait encore un tout petit peu de temps. Allez, ah, c'est la dernière course, good luck, have fun On dit toujours que la dernière course, celui qui la remporte, ça remporte tout. Pour l'instant, Fénix est bien parti, là. Il est bien placé, je trouve. Moi-même, je suis bien placé aussi. bleu, s'bleu, bleu. Ah, fallait descendre là-bas. Quel dommage. J'ai fait un mauvais départ. Il se semi-bien, mais... Vous voyez, mes prévisions s'avèrent exactes pour le début de la course. Hein. Moi, j'étais bien, et Fénix aussi. Euh, pas loupé, on est les premiers à descendre. Par contre, Doc fait un tout droit, donc du coup, il va passer devant. Et non, il a été ralenti Moi je passe le tourniquet, tranquille Les autres ont été ralentis Oh là là, le riz il est en forme Oh le riz il est passé en mode tricheur. Oh ça se voit, ça se voit. Et plus ultra dimension, je passe en mode triche. Hop, je passe l'obstacle. Ah, le deuxième tourniquet. Oh ça se passe plutôt pas mal. Tout va bien, les autres sont bloqués par les tourniquets. Et Doc n'arrive même pas à passer le premier parce que voilà, les obstacles, c'est pas son fort. Alors, petit tour de, de garage pour moi-même. Oh là 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 là, les tourniquets qui font pas de cadeaux. La maîtrise du tourniquet, c'est du bibi. Alors que je suis en train de passer un bol. Hop, voilà, j'ai un bol d'avance avec un tourniquet. Putain, il y a deux tourniquets au niveau du bol. C'est dégueulasse. Ouais, il y a encore un million de tourniquets, dont un qui me fait un peu peur, là. là il y en a un qui... Celui-là, là, là, celui -là qui va suivre, il fait un peu peur. Et Fenix est en train de me rattraper parce que je suis en train de, de me battre sur ce tourniquet-là. C'est bon Doc et Darko Compagnie qui ont du mal, ils sont en train de passer le bol. Ah le tourniquet de la mort. Ah ouais je le sentais mal celui-là. Oh celui-là il va être hardcore. Celui-là, il va y avoir de la RNG. Pour l'instant, enfin, Phoenix est encore bloqué sur l'autre tourniquet. Alors que Darko Compagnie et Doc sont en train de rejoindre. Euh, deuxième tentative pour moi. Et je passe l'obstacle le plus dur, je pense. Maintenant, c'est plus qu'une question de temps. Alors hein, qu'il y a des petits obstacles qui permettent de jeter. Gérer... là, 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 là j'ai eu un peu de peur, mais tous. Oh là là, le troisième. Euh, je pensais qu'il allait bien se passer. En fait, Phoenix m'a rattrapé Phoenix m'a rattrapé Phoenix m'a coiffé au poteau Phoenix passe devant Attention, il reste encore le dernier petit obstacle. Alors que moi, je, je suis revenu de l'autre côté je, 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 re, je rebroussais chemin J'ai je, je repassé tous les tourniquets dans l'autre sens Je défie les lois de la gravité Phoenix qui finit <laughs> C'est terminé Doc euh, qui termine aussi Qu'est-ce qui se passe Arrête de faire des allers-retours, merde <laughs> Merci. Et là je vais jarter comme une merde, je le sens. Attention Et Bleh Non c'est bon. Ok, reste plus tard, qu compagnie, attention faut rattraper parce que maintenant la fin de la course commence à arriver. Ok c'est bon, j'ai oui. visé de demander. à compagnie, bloup bloup bloup, ça passe. Allez, attention les derniers obstacles. Ça c'est bon. Mais c'est ça qui fait le plus peur. Je vais être comme une pauvre merde, attention c'est bon! Tout le monde est arrivé, c'est les saufs. C'est honteux ce qui s'est passé. Comment ma bille a pu défier les lois de la gravité en allant à contresens tout le long? C'est dégueulasse. <laughs> j'ai fini troisième à cause du fait que je passe les obstacles une fois, je me dis j'ai encore le temps, je vais repasser les obstacles dans le tour, je vais leur faire un petit coucou. C'est dégueulasse. Je demande qu'on refasse une course pour la peine. Je dis ça parce qu'il y a Big Ben en fait. <laughs> j'ai vu Big Ben. Il faut l'inviter. C'est censé être la dernière course finalement. Je, je me contredis tout le temps. Ça, ça vous arrange comme ça, ça fera un peu de temps en plus. Ah, euh, Limina, euh, salut à toi. Au passage. Darko Compagnie. Comment je peux arrêter le live avant qu'il commence à y avoir du monde qui arrive Oh, la doc, horrible, phoenix. C'est sur mon iPhone. Bah, ça t'empêche pas de faire surprise play. Dis donc, t'inquiète pas, hein, tu, tu joues pas, tu t as, t as juste une bille qui apparaît et il va jouer pour toi. <laughs> Taper une commande sur un chat, tu peux le faire sur ton iPhone, il n'y a pas d'excuse. Au pied tout de suite. C'est surprise play. Point d'exclamation euh, play. Voilà, tu vois. Eh ben voilà, on est 6. Extra-dimension n'est pas encore revenu, c'est dommage, on aurait pu monter à sept personnes. On va laisser Environ 30 secondes. Allez ah, Big Ben, montre-nous ta force. En plus, c'est un truc... Ah ouais. Je sais, le début, ça va monter, ça va faire un bol géant. Ça va être hardcore, le début. Ça va, je connais un petit peu celui-là. Début dans moins de 30 secondes, même plutôt 20 secondes. 20 secondes, je lance. 6 personnes. Et c'est la vraie dernière course. Hein. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Trop tard ultra dimension si t'es revenu. Et maintenant, good luck have fun pour tout le monde. Et notamment les deux nouveaux. Alors je peux veux pas dire qui a l'avantage là pour l'instant. Les horribles montrent beauté. Allez, la montée. On descend l'obstacle. Alors qu'il y en a qui ont raté, je crois. Non, c'est bon, ils sont de l'autre côté. Oh là là, Hori qui passe le problème avec Darko. Darko qui passe devant. Darko, Big Ben. Darko Compagnie, je te coiffe au poteau, je passe devant. J'ai pris de la vitesse parce qu'ils ont pris un obstacle. Attention, ça peut, ça peut se gerter là. C'est très difficile, faut pas aller trop vite. Attention, attention. Doc va pas trop vite. Moi-même, il faut pas que j'aille trop vite non plus. Big Ben, c'est bon. Darko Compagnie qui se prend les obstacles, c'est bon. Liminati, Shefa, un petit peu la traîne. Big Ben qui nous apprend à jouer d'un seul coup. Attention, la chute mortelle. Attention, ça peut mal finir les rebonds. Tout va bien. Big Ben est passé devant. Je suis en train d'essayer de les rattraper, mais c'est un peu dur. Suivi par Doc. Doc, euh, il adore Big Ben. <laughs> de toute façon, Doc et Big Ben. Hein. Hop, c'est du Big Ben. Il est arrivé. Il a dit Hop, je pose mes balls. <laughs> je pose ma balls. Ah, attention, gros ralentissement alors que Phoenix va faire un tout droit. Et Big Ben qui est là. On va repasser un autre. Attention, pas trop vite. Pas trop vite. Pas trop vite. Oh, ça peut mal finir ça. Non, tout va bien. J'arrive après derrière. Big Ben, Phoenix, les autres, tout va bien. Alors que Darko compagnie, on l'a pas vu, mais il a été gerté, comme une pauvre merde. Limina Tichéfa va finir la course, donc du coup, il finira probablement pas dernier. Alors que moi, je passe le bol tranquille, je repasse devant. Il reste encore un tourniquet, et un autre obstacle, et après, c'est terminé. Docteur est deuxième. Phoenix, troisième fa avant dernier, Big Ben dernier, mais euh, dernier qui finit les courses. Doc, qui me coiffe au poteau sur le tourniquet, attention, il est vénère, attention, ça peut gierter, ça peut mal finir, ça. ou c'est dangereux, ou c'est dangereux. Ah, c'est bon, donc je pense qu'il va finir la course. Alors qu'on est tous bloqués sur le tourniquet. GG à Doc, je pense que personne ne va pouvoir te rattraper maintenant. moins que Big Ben veut prendre un raccourci avec les jumps, c'est très risqué, mais c'est Doc qui finira cette dernière course, champion. Ah, Nimina qui n'arrive pas à passer le tourniquet. Il a du mal avec les obstacles. Alors, la deuxième place se joue avec moi-même, Phoenix et Big Ben. C'est moi qui a l'air de remporter cette histoire. Par contre, Phoenix, Big Ben, Phoenix, Big Ben. Phoenix, troisième, Big Ben, quatrième. Attention, la fin de la course commence à arriver. Par contre, il va falloir se dépêcher et passer ce tourniquet. Comme ça, tu ne finiras pas dernier des derniers puisque c'est Dark Company qui, quoi qu'il advienne, est bon dernier. Maintenant. C'est ton heure de gloire, t'es tout seul, profite de la course. Comme ça, on aura vu que toi pendant un petit moment. Oula, attention. Allez, un petit skill, un petit jump comme ça, boum boum. Allez, non, pas de jump, c'est dommage. Au moins, ça ralentit. C'est bon, la fin de la course est très très loin, tu vas pouvoir finir tranquillement la course. Viens nous rejoindre. Viens chez ceux qui ont fini la course. Alors, je suis désolé, mais on n'a pas vu... Euh... Darko Company qui est tombé comme une pauvre merde. Et voilà, voilou, je pense que 23h, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais en tout cas, on va remettre ça. Alors, je ne sais, euh, sais pas quand, hein, mais en tout cas, sûr, on va leur faire une... En tout cas, je vais remettre ça, hein, c'est sûr. Hein. Si j'ai installé le jeu et que tout se passe bien, c'est que je vais remettre ça euh, le temps d'une soirée, fin de soirée ou soirée complète, s'il n'y a pas euh, de séance Yu-Gi-Oh! Euh, en tout cas, sur le mercredi soir, je vais peut-être euh, m'amuser à faire ça. Sinon... Pour ceux qui veulent me connaître, hein, que je passe euh, quand même. Je fais des séances sur Super Mario Maker 2 le samedi, sachant que là j'ai un Super World à terminer. C'est rigolo en tout cas. Ouais, mais ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait tourner le chat. Euh, au moins les viewers sont en train de, de, de participer. C'est vrai que c'est un très très bon jeu pour, euh, pour faire des, des vues, de, de, de se faire connaître un peu en tant que streamer, etc. Euh, faudrait, faudrait le montrer à Raka, ce truc là, qu'il qui en fasse de temps en temps pour rigoler un bon coup. Mais c'est vrai que c'est assez rigolo et c'est que de la RNG, il hein, n'y a pas de, de vraie triche ou quoi que ce soit. Après, euh, à force de jouer, ben, on finit par avoir des billes un peu spécialisées, etc. Donc en tout cas, voilà, c'est approuvé euh, par ma communauté, <laughs> par tous mes potos, etc. et les futurs membres. Mais bon, c'est vrai que je suis quand même monté à 7 viewers, hein, donc Ce jeu vaut le coup, franchement. Euh, pour, faire, pour être affilié, il n'y a rien de mieux. On va faire que des séances de Marvel Street. Commenter, ok, euh, je vais y aller à fond. Et chaud de commenter des piques qui roulent. Mais bon, ouais, bah, je suis bien content. <laughs> je devais le faire hier soir, je l'ai fait ce soir en test. Donc voilà, on remettra ça une prochaine fois. Comme j'ai dit, je fais des séances Super Mario Maker 2 le samedi. Je suis en train de faire un super world sur Mario Bros. 3 et après à voir si je vais faire moi-même mes niveaux ou pas. Sauf si on me propose d'autres niveaux, hein, parce que je fais surtout les niveaux proposés par les viewers. On se retrouve aussi le lundi, c'est marqué sur le planning en dessous, dans lequel euh, c'est des séances Pokémon en ce moment. J'essaie de compléter le Pokédex euh, d'Isolar Mur. Et en parallèle, j'essaie de chasser les topicers sans euh, me spoiler quoi que ce soit, où est-ce qu'ils sont, etc. Et enfin, mercredi prochain est prévu un OTK live. Et après l'OTK live à 23h généralement, je pense qu'on va faire du Marble on stream. Sauf si ça fait comme hier ou et aussi la semaine dernière qu'il n'y a pas eu d'OTK live. Dans ce cas-là, je pense que je pars direct sur Marble on stream pendant que mes camarades vont partir s'entraîner sur Yu-Gi-Oh! On verra comment ça va tourner. Voilà, sur ce, moi je vous dis bonne plus plus. Je vous sais Jean.